On fait conférence de presse, c'est parce que nous pas qu'à, comme avocat qui travaille dans le domaine droit monde, pour que nous pas penser avec monde qui a 10, 12, 13 ans dans pénitence. Et journaliste, tout le monde connaît que prison civile de bord, pour savoir les pénitentiaires, c'est côté plus sale, côté plus senti, veuillez m'excuser l'expression, c'est le mot, c'est côté plus invivable. Maintenant, comment comprendre un monde qui a 15 ans, 16 ans, chaque temps qu'il juge bon problème? Or que les conventions internationales relatives aux droits civils et politiques qui disent que le droit de se présenter par devant son juge naturel est un droit fondamental. Ça veut dire c'est bon faveur. C'est un droit reconnu par la Constitution. Pour le tribunal, son droit lié, bon faveur pour le fort. Mais imaginons qu'on ait 11 ans, 12 ans, 13 ans. Chaque temps qu'on a un problème, insécurité, coronavirus, grève. Je ne suis pas qu'un avocat droit de monde, je ne suis pas qu'un porte-parole de monde qui est en prison, pas de monde pour défendre moi, pour ne pas penser avec tout. Qui a ici un acteur qui fait 11 ans, 15 ans à vivre dans la saleté, dans la malpropreté? Personne. Donc voilà pourquoi, à travers cette conférence de presse, on veut s'adresser directement aux autorités concernées, aux ministres, aux premiers ministres, pour 10 ministres, écoutez, il y a des gens qui toujours qu'à vivre dans la prison. Il y a des gens qui toujours besoin de juger. Gen moun toujours besoin famille. Parce que le assise pas organisé, monsieur le premier ministre. On s'en avait dit. Sans pile moun qui te gen espoir pour sortir pas qui pas respond encore non. Le si moun n'a fait 13 ans, 14 ans, 15 ans pas jamais caparet. Di ban ka papa. Di ban ka maman etc. Son paquet de bagages il veut dire. Nous même comme avocat, nous même comme organisme de défense des droits humains qui a lutté pour le respect et la préservation des libertés fondamentales. On encouragerait et on réclame du même coup une solution rapide pour la tenue des assises criminelles. Le droit d'être jugé est un droit reconnu par la Constitution, sans mettre d'ordre à défendre. Le droit d'être traité, d'être bien traité à la prison, c'est un droit constitutionnel. Moun pa kap viv tan pou bèt. Est-ce qu'on connaît dans prison femme dans Kounia là? Il y a 300 moun pour ce 300 moun. C'est 25 qui jugent seulement. 25. Est-ce qu'on connaît dans pénitencier national moun a viv tan kou bèt, j'aimerais me dire. Moun yo pile sou pile bon Kounia mais grève greffier. Surpopulation carcérale là, vin augmenter. Ça veut dire pas gain côté pour mettre moun encore. Et wa vivre dans prison de l'eau limon, de l'eau senti, matière fécale. Elle dit, mon nom, la TB, en de prison, presque 2-3 moun mourir par jour. Pas de dispensaire adéquat. Même moun qui travaille en de prison, exposé. Comment peut-on accepter de telles situations en plein 21e siècle? Maître Arnel Rémy, avocat du cadeau, Maître Joël Saint-Louis, nous tirer la sonnette d'alarme pour nous dire autorité au chita greffier. L'un chita greffier, comment ça va passer? N'a pas de monde qui n'a pris espoir. N'a pas de monde qui a 15 ans espoir. N'a pas de monde qui a 16 ans pour que j'ai espoir. Et m'a dit encore, il faut renforcer le système judiciaire. Dans le greffe tribunal, m'a profité micro, caméra, télévision là pour me dire que le greffe tribunal a son désordre. Moi-même, je paye rat, bon, si vous avez fait mettre les tomber pour dossier moun qui est en prison, la manger, vous avez chaque temps pour défendre moun de tout dossier perdu. Nous-mêmes, comme organisation droit moun, nous-mêmes qui avons bataille pour défendre les prisonniers politiques, Arnel Belize, Kili Pierre Semelus, Paul Joannel, tout le monde qui n'est pas capable, je vais vous donner un message à nous. Dis-nous que vous organisation qui crée les cadeaux, qui a campé ensemble avec nous. Vous organisation qui crée les cadeaux, qui a défendu nous. Gon organisation que les cadeaux cap dénoncer les violations des libertés fondamentales, le droit à la santé. Bon, puis on pas parler de santé parce que m'a pour la conférence. On moun mouri avant dans l'hôpital général parce qu'il manquait 2500 gouttes pour l'acheter oxygène. Dans qui pays ni? Peut-on accepter de telles dérives en plein 21e siècle? Journalistes, population haïtienne, nous cap garder là. Aidez-moi à dénoncer ces violations
pour mettre l'autorité au sommet, pour nous dire que dans le moment où nous vivons là, nous ne pouvons pas vivre encore. Deuxième point, rapidement, le cadeau n'a aucun problème sur le droit qui est réservé à la famille Dorval d'organiser ses propres funérailles. Moi-même, j'ai perdu un ami, un professeur, un titan. C'est mon temps perdu. Avant l'interview dernièrement, le professeur a pris 1h45 pour me donner des consultations. Pour dire que maître Moukoua l'interview c'est important, il faut prendre le soin. Voilà pourquoi j'ai estimé que le professeur n'a pas eu les hommages qu'il mérite. C'est un titan qui est parti. Et m'a dit, on prendra du temps avant de remplacer ce professeur émérite, cet éminent juriste, le premier avocat de la juridiction de Port-au-Prince. Et m'a profité pour me dire, moi, merci tout avocat dans toutes 17 juridictions qui campaient pour remercier, pour bailler bâtonnier un dernier hommage. Et je lance cette mise en garde aux autorités judiciaires avant de terminer. Un juge d'instruction est saisi dans le cadre de ce dossier. Monsieur le doyen, pour qui nous avons beaucoup de respect, choisissez un juge qui est compétent. Choisissez un juge qui n'a pas peur des pressions politiques. Qui n'a pas peur des pressions de toutes sortes. Et m'a demandé pour accompagner juste ça. Même famille, by famille sécurité. Même chien à calibre en sécurité. Pour juge là, pas prendre pression pour dossier mon frère d'Orval là, pas entrer dans le tiroir. Et c'est tout le peuple haïtien qui attend que justice soit faite à mon frère d'Orval. C'est tout le monde, d'ailleurs, autant des 47 pays m'ont dépendu dans l'enquête là. Moi, j'encourage la participation de ces 47 pays dans l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier mon frère d'Orval. Il faut que l'exemple soit tracé. Tout le monde qui a tué autour, dégagez nos autorités, bas résultat. Bas résultat parce que la population a tant de résultats. La population a tant de résultats en quête. Quel que soit l'homme dans le grade, même si c'est dans le ciel, que j'ai une instruction après le travail que je vais faire, si c'est dans le ciel là pour le bon avion, pour l'arrêter, arrêtez mon homme, mettez le purger peine dans la prison sentier. Merci. Même éducation avec petite mini-joute, même j'ai un petit Jovenel. Donc nous dit c'est trop à toi, nous-mêmes parents, faut petite pas Jovenel, petite joute, petite agent au cadet. Il faut être capable de jouer même éducation avec petit, pas moi-même qui est dans la province. Donc c'est ça que fait nous mettre la plateforme ça sous pied. Nous faisons des propositions avec le ministre Ageno Kader, côté que nous voulons copie conforme par la présidence, par la primature, etc. Donc qui ça nous dit? UNESCO joue ça à tout. Nous dit, dans la proposition nous faisons, nous dit, professeur, il a demandé 75 000 gouttes de salaire minimum. Nous dit, l'État capable par mesure. Nous dit l'État baille 2/3 de 75 000 gouttes qui c'est 50 000 gouttes. Nous dit 50 000 gouttes nous demandons l'État baille là, c'est pour moun kap travail dans le nettoyage, yo, pour gardien, yo, pour ménager. Yo. C'est moun sa yo nous demandons, on s'allait de base 50 000 gouttes nous même parents. Et nous connaissons pas le faire, plus le monde saisit, il a dit non, l'État va baille 50 000 gouttes. Nous dit oui, il va baille. Nous dit tellement méchant en Haïti. Depuis 2011, Matéli, ancien président, donc ça fait des deux passés après elle. Il y a pas jamais entre Fonds National Éducation comme ça FNE, il y a pas jamais point comme ça maintenant budget pour payer professeur. Dernièrement, Agenor fourre maintenant comme là en grande pompe, il prend gros point. Nous une parent pas capable dire combien il prend tellement de temps. Qui ça le fait avec les bail subvention avec gros l'école. Professeur va demander l'argent, il va pas joindre. Or matérialité prend comme là c'est pour yo te prendre. Toute diaspora a plein, côté que chaque titre fait pour en famille, faut yon bail comme ça, d'où la 50 là. Donc, l'argent a d'agoté, depuis 2011, ça fait 9 ans, nous-mêmes parents nous disent non, comme ça, faut que nous budgétisons, pour que avant 1er octobre, pour que les professeurs yon joignent comme ça. Nous disons minimum 1000 gouttes par heure fournie. Côté que yon dit, on paquet de professeurs qui va dans la classe. Ayon dit oui, la prend, la prend, la prend, la prend, la nous disons, c'est pas ça pour le faire. Nous disons, mais ça pour le faire. C'est payé minimum 1000 gouttes pour un professeur qui est fondamental par heure fournie. C'est professeur à venir, li bail là. Et puis, direction l'école là, il y a un cahier de pointage pour ça. Donc, professeur à présent, li bail là, il y a un contrôle pour lui. Les professeurs à pas venir, les salles à sortir sous cobli. Nous, clairs, nous-mêmes parents, même Jean privé fait les professeurs à venir, ils retirent sous cobli. Mais les professeurs à qu'on est à payer 1000 gouttes par heure, la vine bail 5 heures dans la fête, 5000 gouttes pour journée. La vine fait 5 heures dans. Il va parler dans privé pour la bail là. Nous dit, payer 1250 gouttes.
par heure fournie au niveau secondaire, nous dit 1500 goudes par heure fournie au niveau université, niveau licence, nous dit 2000 goudes pour niveau maîtrise par heure fournie, nous dit 2500 goudes au niveau doctorat par heure fournie. Nous dit NB, sans préjudice des établissements qui accordent un salaire plus élevé. Si un établissement qui a un salaire qui est plus que ça, il n'y a pas un droit à retirer, on y a la donne. C'est ça que nous-mêmes parents nous demandons. Nous dit troisième point, troisième proposition nous fait. Nous dit retirer frais que vous prenez sous tout professeur pour question assurance là. Comme ça, bah, le professeur sous chef, vous souple tant pris pour vous joindre. Nous, nous dit bah, yo, on quatre assurance gratis. Côté que le professeur a la possibilité pour mettre 10 personnes de son choix. C'est lui qui a choisi 10 personnes minimum. Nous dit à Gino Kade ça matin. Nous dit quatrième proposition nous fait. Nous dit gratifier ceux qui ont plus de 25 ans de carrière au lieu pour la faire des transferts arbitraires et illégaux. Donc pour retirer le transfert ça, pour lui retirer mon adamné qu'elle mette des syndicalistes qui ont milité longtemps dans le système. Non? Nous dit sixième proposition, c'est fournir 2 repas par jour à chaque élève, quitte ses élèves publics, quitte ses élèves privés. Septième proposition, nous dit, pour lui adresser avec sérieux le problème de certaines écoles qui ont même l'école privée qui a réclamé l'argent pour ce mois. Nous dit, lui promettre l'école privée en subvention côté que la paix en cob avec chaque litre de 20 000 goudes. Nous ne pouvons pas tout le monde ça. Donc jusqu'à présent, à Gino Kade tellement à point que nous n'avons pas compris, nous tout le monde s'est égaré. L'idée dit comme là, dans 5 départements, il baille déjà. Mais jamais passé ton grain département. Il passe ton grain. Donc ça qu'elle dit, c'est qu'elle pense que nous-mêmes parents ne pouvons pas comprendre. Pas bon goût qui cobaye. Nous dit, 8e proposition, c'est construire 3000 logements pour l'État. Construire 30 000 logements, 3000 par département, pour que les policiers, professeurs, infirmiers et infirmières, pour que eux-mêmes aient une caille pour arrêter sans ne pas payer. Nous dit, 9e et dernière proposition, c'est utiliser les produits provenant de l'agriculture haïtienne, comme du latibonite là par exemple, comme cassave qui est au cap là, pour qu'ils utilisent la loi pour faire manger les timounio pour timounio prendre 2 repas par jour, quitte l'école publique, quitte l'école privée. C'est ça que nous avons demandé. Nous dit, bagaille ça yo, c'est des bagailles qui doivent arriver rapide vite 1er octobre pour que les mises en application, pour que les professeurs eux-mêmes rentrent dans la salle de classe, pour que les gens soient capables de composer comme ça doit. Si que l'État n'a pas fait ça, l'État est d'accord pour que les bagailles aillent de mal en pire. Nous-mêmes, parents, nous allons supporter toute mobilisation de gens dans la rue, si que ils n'ont pas entré avec tout ça que nous disons là.